Coucou la famille, alors je vous prends, ça va être un petit vlog, il y a le festival de la BD à Angoulême. Moi je suis en région parisienne, je vais aller à Angoulême pour le festival dimanche. Aujourd'hui on est samedi, il est vers 16h comme ça, je vais pas tarder à sortir. J'y vais avec ma petite sœur et on va voir ma grande sœur qui vient à Angoulême, donc ce sera l'occasion de se retrouver entre sœurs. Mon sac est prêt, on y va. Je vous retrouve plus tard. Salut. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay. Coucou! Voilà, c'est la Sista. On est arrivé où? À... On est à Angoulême. On est à Angoulême. Et là, on va faire là. Surprise! Surprise! On est le 28 janvier 2023 et il est actuellement 20h11. Oui, bah voilà, elle est au taquet, hein, ma soeur. Voilà, à tout à l'heure! Alors, c'est la suite du vlog. Là, c'est la minute blague. Voilà, parce que pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Attends, il faut récapituler. Qu'est-ce qu'on fait là? On est venu pour le festival de la BD. Ouais. Pour demain. En même temps, on s'est dit, on fait une surprise à notre sœur. Bah, qui vit ici. Qui vit ici. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu comme ça, là. On est venu en mode surprise, sans prévenir. Voilà, et maintenant, on est là. Et du coup... Et elle est où? Bah, elle est où? Ah, bah, elle est pas là. Elle est où? Elle est pas là. Et elle arrive quand? On sait pas. Et voilà, c'est surtout ça. Salut. Salut. Voilà, et on s'est fait des amis déjà. Bon, voilà, donc elle arrive quand? On sait pas. On sait pas. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On va aller manger. On va aller manger, mais on va manger où? On sait pas. On sait pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va en direction... Mais c'est quoi? On a choisi quoi comme restaurant? On a choisi un restaurant asiatique. Voilà, donc maintenant... Et on a 10 minutes de marche. Voilà, on va vous tenir au courant. La vue d'Angoulême, magnifique. Voilà, sur le chemin, on a trouvé cette petite vue. Avec des jolies lumières. Donc on s'est dit qu'on allait partager ça avec vous. Voilà. Allez, on continue notre périple. Plus que 5 minutes. Ok, à tout à l'heure. Coucou. On ne vous entend pas. On est au marché d'Angoulême. Ok. Apparemment, c'est ouvert la nuit. On va voir s'il y a à manger. Bah vas-y, je te suis. Attends. Attends, je t'arrange ton col. Vas-y. Alors, il y a quoi à faire? Il y a plein de petits restaurants, on dirait. Ah, regarde, il y a déjà des trucs de BD là. Ah ouais? Non? C'est quoi ça? Ouais, c'est pas des BD ça? C'est des BD hein? On est où? Dédicace. Apparemment, c'est il y a des dédicaces. Il y a de la bouffe. Il y a des macarons? Ah, il y a des desserts là-bas. Ah, il y a encore des livres ici. C'est quoi? Bon, elle voulait pas vous montrer, je vais quand même vous montrer moi. Ils ont décoré les poubelles. Alors, c'est parce qu'il y a de plus glamour, mais quand même, c'est sympa. Hop, regardez, je vais vous montrer les décorations. Coucou, voilà.
Encore une autre décoration. Bah, pour l'instant, je leur montre les poubelles. Voilà. Bon, eh ben, on est toujours pas arrivé au restaurant. On hein. a un vlog de qualité là. Ouais, bah, et qu'est-ce qui se passe? On vous montre tout, hein, du début jusqu'à la fin. C'est quand même pas mal. Hein. Allez, au revoir. Bon, bah, finalement, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce qu'on a atterri ailleurs. Hein. On voulait aller à l'Asiatique. Et ouais. finalement, bah, l'Asiatique il était complet. Ils nous ont dit non. Dehors. Et on donc a dit, bon, ok. Non, ils ont été gentils. Oui, ils ont été gentils. Et du coup, on avait dit qu'on allait aller où? À l'italien. On ah. est bien italien en marchant dans les rues. Ah. Ouais. On s'est perdu. Et donc après, on a atterri où? Du coup, on a dit, bon, ben, on va continuer à se perdre. Et à un moment donné, on a dit, oh, il y a un truc de chez nous. Allez, on rentre. Et du coup, ben, et c'est quoi chez nous? Parce qu'on est marocains. Oui, et donc. On a dit, il y a tout ce qui est ta vie. Allez, on va. Ah, vas-y. On va, et donc, on va, on va juger la qualité de. Et de donc. Ce marocain. Et donc. Bah du coup on va manger ça. Et donc tu vas manger quoi toi? Je sais pas, un tagine mais je sais pas quoi. C'est quoi les choix qu'il y a? Bah je sais pas. C'est où les tagines? Alors moi je vais deviner. Elle va prendre poulet au prix. Ah non, elle va... ah non, il y a raisin ça avec pomme, c'est chelou ça. Elle va prendre. Mais ça aussi c'est chelou. elle va prendre bœuf aux légumes, olives et citron confit. Quelle est la réponse? Ben, je pense que je prends ça. Ben voilà, c'est ça. Voilà, je connais ma soeur. Et moi, je prends végétarien aux légumes. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Bon, à plus tard pour savoir quel est le résultat de cette expérience. Au revoir. Tu vois ton proche là? Non, tu es très bien. Non, tu es belle gosse en plus comme ça. Tu sais, on dirait une Mexicaine là. Non, une belle Mexicaine. Magnifique. Vous avez tes petits cactus là, ton petit collier là. Merci. On croit même peut-être qu'il fait 30 degrés dehors, mais c'est pas vrai. Ah oui, c'est vrai que j'en dis ça. Parce qu'il fait froid dehors. Non, il fait chaud et à l'intérieur. Voilà. Bon, au revoir. Une vidéo sur la poubelle Covid. Hi. Donc, a priori, bon, vite. A priori, on aime bien les poubelles ici. Voilà, donc une poubelle Covid. Ils sont super high-tech. Alors tu vois, t'appuies et hop. Allez. Suite du vlog. Donc du coup, aujourd'hui, nous sommes... 29 janvier. Et on est... Et on est toujours à... À Angoulême. Voilà. Alors, comment s'est finie la soirée d'hier? Alors, comment dire, on ne vous conseille pas ce restaurant. C'était pas trop ça, quoi. C'était pas trop ça. Surtout venant du pays qui fait le couscous, nous étions très ouais. déçus des tagines. Ouais, ouais. Qui n'était ni épicé, ni bon. Alors, vraiment, on s'est pas senti super très bien. Hein. N'allez pas. Pour goûter la vraie nourriture marocaine, ce n'est pas le bon restaurant. Il faut aller chez nous. On vous invite à la maison. Chez Gris. Hein? Cher Guy, ah oui, Cher apparemment, Guy. Le Cher Guy, il est bien si vous venez à Angoulême. Voilà, voilà, on fait de la pub au Cher Guy. S'il vous plaît. Voilà, voilà. Cher Guy, si vous nous écoutez, une commission. Non, je rigole, ils nous connaissent. Ils savent même pas qu'on existe, Cher Guy. Bon, allez. Alors, ensuite, le soir, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, on a rejoint un fête-in. On a rejoint un fête-in? Alors, on va vous montrer fête-in. Fête-in, tu apparais sur le vlog, donc fais un sourire. Coucou, c'est la télé. Alors, est-ce que tu es contente de la surprise? Ah oui, je suis trop contente de la surprise. Est-ce que tu t'y attendais? Pas du tout. Voilà, tu t'y attendais pas. Non, j'ai repéré une jambe qui dépassait. Parce qu'on s'est caché, bon, mais bonjour, apparemment on s'est mal caché. Hop, coucou. Bon, et on a un nouvel ami aussi qui vous fait. C'était moi la surprise, ouais. Voilà. Bon, à plus. Ouais, c'est bien ça, tu peux mettre genre tu filmes. Mais ouais. C'est qui cette gogole? Bah ouais. Alors là, c'est la petite bulle. Tu peux aller si t'as pas, même si t'as pas payé ton billet. Et c'est vachement chouette de pouvoir profiter sans payer. Tu filmes? On a même le droit à des petits thés gratos. C'est la classe, hein? Ouais, trop bien. Et en fait, ici, c'est ceux qui ont fait la. La compétition, et ben en fait celui qui a gagné c'est Sous le Soleil. Et il y a toutes les BD, toutes les BD sur place et tu peux consulter. C'est sympa ça.
il essaie de retenir un métro du mieux qu'il peut, effectivement, mais dommage. On peut vous applaudir. Félicitations. Autre question. Le train des orphelins de Philippe Jacquot et Xavier Fourquemin. Pavillon d'Angoulême. Hop, je vous montre la devanture. Et on va croiser les passions de nage. Hop, elle est où? 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 Elle est là. Et qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a dans les mains? Elle a un achat. On va vous montrer ça tout à l'heure. Tu es contente pour l'instant? Ouais, je suis très contente. Bon, là, on se dirige où? Bah, on va aller vers le Manga City et je sais pas si ça se dit comme ça, je sais plus, bref, là endroit il y a les mangas. Ouais. Et on finira par le Mandé Bulle. Ok, allez, salut, à plus. Et voilà la navette qu'on voulait vous montrer hier, mais il faisait nuit. Vous pouvez passer. On vous montrera s'il y a d'autres navettes avec d'autres décorations. Donc c'est des navettes qu'on vous a dit spécial Médée. Et là, on va se diriger. Bah finalement, non, on a changé d'avis, on va plus à Manga City, on ira après. On va aller à Bulle, je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Même je vais te payer moi pour le vlog. Bah oui. Et vous avez entendu, est-ce que vous êtes tous témoins? Elle a dit qu'elle va me payer. Et il faut beaucoup. Ah, il faut beaucoup liker. Il faut beaucoup regarder, il faut beaucoup liker, beaucoup commenter. Parce que, commenter. Parce que moi j'ai besoin d'argent, j'ai des choses à acheter. Donnez-moi un peu d'argent. Allez, salut. On est où? Hein? Il y a du monde. Mais on est où là? Bah ça, on rentre dans le monde des bulles. Et il y a quoi dans le monde des bulles? Il y a quoi dans... toutes les maisons d'édition avec les BD et je vais me faire dédicacer sur ce livre. Commence à regarder quoi? J'aime bien ça. Ok. Bon, bah on verra le nombre d'achats à la fin. Il y a plus de faire ça? Oui, il y a.
montre un petit peu l'envers du décor. Voilà, à plus tard.
savez déjà, il y aura combien de tomes? Je pense qu'on va aller jusqu'au 5. D'accord. J'ai fini le 4 il y a la semaine dernière. Ah. J'étais trop contente de pouvoir finir ça avant de partir en salon. Là, on arrive donc du côté manga. On va faire un petit tour là, il nous reste une demi-heure. Petit tour express. Voilà. Bon, on est de retour. On a fini la journée finalement. Ils nous ont pas laissé. Attendez, je vous prends. Alors finalement, ils nous ont pas laissé rentrer dans le truc de Manga City. Ils ont dit que l'horaire était trop proche et qu'ils étaient en train de ranger. On a dit oui, mais il n'est pas encore 18h. Ils ont dit bah oui, mais on est en train de ranger, donc non. Donc voilà, donc tant pis. Et donc là, ben, on remonte, je suis essoufflée. Voilà, donc là on remonte et je vous montrerai tous les achats que j'ai fait. Et oulala, je me suis lâchée, il y en a. Bon, je vous dis à plus, salut. Du coup, on est lundi 30, il est quoi, il est 5h15, j'ai le train à 6h, donc autant prendre un petit truc avant de sortir. Là, ma soeur est en train de dormir. C'est juste pour vous montrer un petit peu les dégâts du festival. Je suis venue avec un tout petit sac, je ne pensais pas faire autant d'achats, et je vais vous montrer tout de suite le nombre de sacs avec lesquels je repars. Et voilà, donc ça c'était mon sac avec lequel je suis venue, et je rajoute un sac à dos bien plein et un autre sac à bras. Oh là là, c'est une catastrophe. Je vais vous montrer tout ça en rentrant une fois sur Paris. Là, j'ai plus de batterie sur la caméra, j'ai oublié de charger. Bon ben voilà, je vous dis à tout à l'heure. Salut! Bah, je me suis rendu compte que je n'ai pas clôturé ce vlog, donc je suis bien rentrée sur Paris, ou plutôt en région parisienne, parce que je ne suis pas vraiment sur Paris. Donc je vous montre mes achats du festival que j'ai fait. Et puis voilà, et puis après on va pouvoir clôturer ce vlog correctement. Donc allez, on regarde ça tout de suite. Voilà, alors je vous ai tout mis là. Donc, j'ai pris le cercle du dragon T. Donc j'ai pris le tome 1, je vous rapproche hein, pour ceux qui veulent, et le tome 2. Donc j'ai trouvé les dessins trop mignons, alors je vais peut-être vous montrer plutôt le dessin du tome 1. Regardez-moi ces dessins, c'est trop chou. Et en fait, je pense qu'il y a une certaine magie avec le thé. Et bon, je vais découvrir un peu plus, mais ça a l'air tout doudou. Ensuite, on va passer à celle-là. L'île oubliée. Donc, c'est la même illustratrice que Sorceline. J'ai flashé direct dessus, donc je comprends pourquoi. Vous avez retrouvé le dessin que j'aime beaucoup sur Sorceline. À la base, je devais...
avoir une dédicace pour Sœur Céline, mais en fait ils ont eu un problème, ils n'ont pas pu venir. Je pense qu'ils ont un problème d'avion de ce qu'on nous a dit, donc j'ai pas pu avoir d'illustration. Bon, tant pis. Ensuite, j'ai pris ça pour mon chéri, donc je lui ai pris le tome 1 et le tome 2. C'est Batman et les Tortues Ninja. Ensuite, j'ai pris celui-là qui m'a fait de l'œil en fait. C'est 4 jeunes filles, elles sont au lycée et elles veulent sauver une place qui va être détruite. Et donc, du coup, elles vont faire un sortilège, parce qu'en fait, tout le monde s'en fout, donc elles décident de faire un sortilège. Sauf qu'elles vont invoquer un démon. Donc, à voir maintenant comment tout ça se goupille. C'est super sympa. J'ai pu avoir juste une dédicace de la scénariste. Alors, attendez, je vous montre ça. Voilà. Parce que comme je suis très intelligente, je me suis trompée de queue et j'attendais pour rien dans une autre queue. Et l'illustrateur, bah, il est parti, il restait encore 5 minutes pour ou 10 minutes, je sais plus, pour le délai des dédicaces, mais il a dû partir parce qu'il devait prendre son train. Et au moment où je m'en suis rendu compte, il restait plus que scénariste. Mais elle était très gentille et très sympa. Ensuite, j'ai pris La rivière à l'envers. Donc c'est extrait, c'est une BD en fait. Bon, il y a une jaquette, hein. Super sympa, il y a même un petit marque-page. Je vous montre l'intérieur. Les dessins sont super beaux. Et en fait, l'histoire, c'est la jeune fille en fait qui va aller chercher, elle va aller à l'aventure en fait pour retrouver cette rivière qui est à l'envers, et en fait elle a une eau magique qui peut guérir une personne qui est mourante, et elle a besoin de cette eau pour sauver quelqu'un, je suppose. Et donc voilà, on va suivre son aventure. Ensuite, là c'est l'Apocalypse. Je vous montre ça, les dessins, toujours pareil. Alors ça, j'ai bien aimé l'histoire en fait. En gros, il y a un an avant la fin du monde. Et comment chacun réagit face à ça. Donc entre les gens qui démissionnent, ceux qui vont faire leur vie différemment. Et Magda, elle essaye, c'est qu'ils disent Magda décide de s'emparer de la vie que la catastrophe imminente lui refuse. Donc ça m'a l'air très intéressant et j'ai hâte de voir comment ils vont traiter le sujet. Ensuite, finalement, c'est ma seule dédicace illustrée, c'est La Sentinelle. Donc, je vous montre ça. Regardez. J'adore. C'est magnifique. Donc, elle m'a fait... comment elle s'appelle? Parce que moi, je n'ai pas encore lu. Elle s'appelle Nelvina. Voilà. Ce que je lui ai demandé. Elle demande qu'est-ce qu'on veut comme dessin et je vous l'ai petit fait. Donc, voilà. Ouais, c'est une sentinelle en fait, c'est une gardienne du petit peuple et en fait elle va remplacer sa grand-mère de ce que j'ai vu. Hein. Ah oui, elle m'a dit qu'il y aura 5 tomes. Elle vient de finir le 4e tome en dessin et elle a dit qu'il va y avoir peut-être un petit peu de temps entre le 4e et le 5e et il y aurait 5 tomes dans la sentinelle. Voilà, ça c'est la petite info. Ensuite, j'ai pris ça, donc vous pouvez reconnaître, hein, c'est Pocahontas qui paraît mon Pocahontas. Hein. C'est la vraie histoire de Pocahontas. Celle qui a été inspirée pour le dessin animé. Et pour finir, j'ai pris celui-là. J'aime trop. Et en fait, c'est une jeune fille qui va au Japon parce qu'elle est fan en fait de tout ce qui est manga et la culture japonaise. Elle va se rendre compte que finalement, c'est pas si facile de trouver ses marques dans une nouvelle culture, etc. Donc on va un peu suivre tout ça et voir comment elle finit par s'en sortir. Et j'aime beaucoup le fait que ça soit une seule type de coloris. Donc on va voir, ça a l'air super sympa. Donc voilà mon butin. Je me suis un peu emballée, je m'attendais pas... Ah si, oula, j'ai failli vous oublier celui-là. Ce que nous sommes. Donc là, c'est plus en rapport avec la technologie. Voir un petit peu, finalement, est-ce que c'est nous qui contrôlons la technologie ou c'est qui nous contrôle. Et j'ai hâte de voir comment ils ont traité ce sujet. Pareil, là aussi, c'est avec des planches de la même coloris.
Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc je vous en donnerai des nouvelles hein, dès que je l'aurai lu. Voilà, là j'ai fini mon butin. Bon, maintenant c'est bon, vous avez tout vu, vous avez eu le vlog, le voyage, les délires entre sœurs, le festival, j'ai essayé de prendre le maximum de plans, j'ai juste pas pu aller finalement aller dans la partie manga parce qu'on arrivait un petit peu tard, on arrivait 10 minutes avant que ça ferme, ils ont dit non c'est fini, vous pouvez plus rentrer, donc bref, on n'a pas pu y aller, et puis voilà, et maintenant je suis rentrée, et je vous ai montré un peu tout ce que j'ai pris, c'était super. Si vous aimez ce style de vlog, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire pour échanger, voilà. Si vous avez déjà lu une de ces BD et vous donnez votre avis, n'hésitez pas. S'il y en a certaines qui vous donnent envie, dites-le moi également. Comme ça, peut-être que je les sortirai plus rapidement pour vous donner mon avis. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.